Et salut tout le monde, c'est MLG, on se retrouve pour un nouvel épisode de Project Zone 3 en mode mythique. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai un ami avec moi, il est derrière moi, c'est l'ami le Mega Skeleton. Donc, je l'ai summon et je l'ai posé ici, et au final, même quand je suis en pleine lumière et que je suis totalement visible, il ne m'attaque pas. Bon, évidemment, il est un peu bugué visuellement, si on regarde si on le regarde en hauteur, mais il ne m'attaque pas. Et évidemment, je me suis amusé à le renommer. Abonnez-vous, puisque si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, un clic suffit pour vous abonner. Voilà, faites-vous plaisir. Après, vous faites ce que vous voulez. Bref, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Aujourd'hui, j'ai fait quelques graines. J'ai fait la graine de Dawnstone, et la graine de Dawnstone me demandait de faire au préalable la graine d'or. Donc voilà, la graine de Dawnstone va me permettre forcément d'avoir du Dawnstone ingot, et le Dawnstone ingot est principalement utilisé sur le Void ingot. Je crois pas qu'il soit utilisé vraiment beaucoup ailleurs, mais c'est surtout pour le Void ingot que je vais en avoir besoin de ce lingot là. Il a fait clic droit sur quoi? Bravo ça. Voilà, et le Void ingot, bah, j'en ai besoin pour les Ender Alternator, j'en ai besoin pour certaines machines, etc. etc. Donc le Dawnstone, pardon, je vais en avoir besoin. J'ai commencé à regarder les autres graines que j'aurais pu faire en tier 4, parce que vous voyez que j'ai le nécessaire pour faire une autre graine tier 4. Le truc, c'est que bah, y a des graines, alors là c'est une graine tier 5, donc ça compte pas. Il y a des graines, au final, j'ai les ressources, je les farm passivement, j'ai pas forcément besoin de les avoir au final. C'est ça le problème. Donc à la rigueur, peut-être que je me ferai l'énergétique alloy, pourquoi pas, ou voir le dark steel, parce que le dark steel est pas mal utilisé mine de rien. Mais en soi, pareil, même quand j'ai regardé les tiers 5, j'ai pas forcément besoin de les crafter tout de suite, ces graines-là. Il y a à la rigueur peut-être la draconium, que j'ai énormément besoin quand je veux faire justement mes essences. Mais sinon, en soi, bon, il y a la dreadium, et je crois qu'il y a que la dreadium d'ailleurs. L'autre graine, c'est peut-être une tier 4. Ah ouais, c'est une tier 4, la abyssalnite, de la dimension abyssalcraft, mais sinon... Ouais, sinon bof. Et après forcément il y a tier 6 qui pourrait nous intéresser, sauf que tier 6 c'est clairement pas à notre portée, n'est-ce pas? Donc ouais, au niveau des graines, je pense pas faire une autre graine tout de suite. La graine tier 4 pour l'instant je vais la ranger. Et la Dawnstone je vais devoir la faire pousser. Je vais juste ranger cette graine là pour pouvoir la faire monter en 10-10. Alors tu me diras, on peut la monter ensemble, ça me prend pas de temps. Hein. Comme ça vous allez voir aussi une fois encore la vitesse à laquelle je fais pousser mes graines. D'ailleurs j'avais pas réactivé ça, donc il va falloir que je le réactive. Et pareil, j'ai toujours pas réinstallé les autres spawners. Faut que j'appuie sur F7. Et il va falloir que je le fasse. Donc pof, on pouf, on pose la graine de Dawnstone. On balance les crop sticks. Et on est pas mal. Il va falloir que je plante d'autres graines aussi dans le fond pour farmer les ressources. Ça, je vais pouvoir le... Oh, je vais le garder au cas où. Tu me diras, j'en avais sur moi. Tout là-bas, j'ai de l'espace. Ouais, ici, je peux planter une graine si j'en ai envie. Je vais probablement mettre la Dawnstone d'ailleurs. Et si je veux mettre la Dawnstone, il va me falloir un... Crafter, le tier 1, ça ira bien. Je sais pas, oh bah c'est bon, il l'a fini. Ok, très bien, je pensais pas que ce soit si rapide. Mais allez, pourquoi pas. Pouf, on va mettre ça ici. Ok, re-regardons où ça en est là-bas. C'est bientôt terminé. Et normalement, une fois que la graine sera là, ce sera en théorie une tier 10. Ça, je vais pouvoir l'enlever. Pour l'instant, je stocke les essences ici et je m'en servirai après pour faire des crafts. Et toutes ces autres graines, pouf, poubelle, on ne veut pas les garder. Et du coup là, 9, 10, 10. Oh la vache! Ça c'est terrible, la graine ne me respecte pas. Paf, paf. Allez, vas-y, fais-moi une 10, 10, 10 là, juste là. C'est une 10, 10, 10, on y croit. Du coup ça, poubelle, poubelle. Peut-être garder les essences pour setup le crafter, voilà, 10, 10, 10, là on est bien. Et du coup ce que je fais, c'est que j'en fais 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, on en met 10. La graine va se propager. Elle est en 10, 10, 10 de partout. Et je vais en garder... Ah, j'aurais pas dû en faire 10 en fait, j'aurais dû en faire 9. Oups. C'est pas grave, je vais la mettre là. En fait, les graines en bas, c'est les graines que j'ai plantées. Les graines au-dessus, c'est les graines que j'ai pas plantées. Donc, on va aller planter la Dawnstone. Ah bah, j'ai pas besoin de crop sticks. Ok. Tiens, et tiens. Comme ça, ça c'est fait. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est aller au niveau du crafter là. On va chercher du speed upgrade. Clac. Et ici, on va lui demander de garder uniquement ces essences là. On va faire reminder.
Comme ça, maintenant, il garde tout, impeccable. Ici, en external, on va pouvoir lui demander de nous faire ça. Et ici, pareil, on va lui demander de nous faire ça. Deux fois le craft, comme ça, il va deux fois plus vite. Ok. Ici, on va lui demander de faire une extraction en noir full speed. Et ici, une insertion en blanc. Parce que au-dessus, finalement, on va faire une extraction en blanc full speed. Et comme ça, dès que ça va farmer, le Dunstone va arriver. Par contre, le Dunstone actuellement est balancé dans l'Ender Chest. Et du coup, forcément, vu que je n'ai pas de barrel, il va falloir que je lui fasse un petit barrel. Donc ça prendra pas beaucoup de temps. Et est-ce que là-bas, tout a poussé? Ouais, là-bas, tout a poussé. Donc c'est bon, on va pouvoir activer tout ça avec notre levier, et on devrait récupérer du Dawnstone. Si on regarde ici, on devrait voilà, on le voit arriver. Ok, y a pas de souci. Vous voyez, c'est vraiment très, très, très rapide de faire pousser des graines 10-10-10 maintenant grâce à l'Imaginary Time Block. Et actuellement, au niveau de la récupération des essences pour avoir les ressources, du coup les lingots et d'autres choses, ça va mine de rien très vite sans avoir à utiliser l'Imaginary Time Block. C'est quand même assez impressionnant. Mais on mettra les Imagine Time Blocks, vous inquiétez pas, ça là-dessus, c'est pas un souci. Alors, Dawnstone, boum, on va prendre ça et ça, donc Void, Full, Infinity. On prend ça pour le repeindre, bam, on est bien. Vas-y, range-toi ici, on va récupérer la hache, qui est juste là. On prend ça, et enfin ça, on va le mettre avec les lingots. Boum. Voilà, maintenant je farm le Dawnstone automatiquement, et ça, c'est beau. Alors, en dehors de tout ça, on va aller regarder un petit peu où ça en est, les slates. Donc les slates de Blood Magic, elles sont là. Donc on a farmé le Blank Slate, on a farmé le Reinforced Slate, le Reinforced, le Imbued, maintenant il est en train de me faire le démonique. Et une fois qu'il aura terminé de faire le démonique, il commencera à me faire les Ethereal. Forcément, ça va prendre du temps de faire tout ça, mais je vais le laisser tranquille. En attendant, j'ai amélioré mes machines de mécanisme, donc elles sont tous en forme advanced, il va falloir qu'on fasse l'élite. Et j'ai également upgrade toutes les machines en speed énergie. Il n'y a que cette machine là qui n'est pas upgrade parce qu'il n'y a pas de craft au-dessus. Donc pour l'instant, je m'en sers pas de cette machine. Mais toutes ces machines là de mécanisme sont upgrade à fond en termes de speed et d'énergie. Comme ça, ça va beaucoup plus vite. Idem pour cette machine là. Cette machine là, je l'ai update à fond au niveau de speed et énergie. Et j'ai remis d'ailleurs mes patterns là parce que ça va quand même assez vite. Et j'ai changé les câbles. Les câbles maintenant sont des câbles en stellar pour pouvoir extraire beaucoup plus d'énergie et mieux alimenter ces machines là. Alors il n'y a que ces machines ici que j'ai pas upgrade. Toutes les machines de Nuclear Craft qui est ici, je les ai pas upgrade. Il y a probablement celle-ci et celle-ci qu'il va falloir que je fasse. Mais les autres, je vais pas y toucher. D'ailleurs, ça c'est quoi ça? C'est un melter, ouais. Ok. Idem, juste là, j'ai re-setup des Ender Tanks. On va regarder au niveau du stockage de fluide. Donc voilà, au niveau du stockage de fluide, j'ai fait un petit peu de propre. Donc maintenant, on extrait ce fluide-là vers cet Ender Tank, ce fluide-là vers cet Ender Tank, etc., etc. Pour pouvoir les renvoyer dans les machines en haut et faire mes fameux lingots pour faire mes essences. Donc ouais, j'ai un petit peu bossé entre cet épisode-là et le précédent. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va automatiser le plastique. Ouais, parce que le plastique, le problème que j'ai avec ça, c'est que... Eh bien, je suis tout le temps en train de revenir ici pour récupérer du plastique. Et ça commence à bien faire, cette histoire. Donc, il va y avoir des choses à faire avec Pneumatic Craft. Donc, ça va être un épisode basé sur Pneumatic Craft, puisque aujourd'hui, nous allons faire les Flux Compressors. Alors, les Flux Compressors vont me permettre de générer de l'air comprimé grâce au RF. Et étant donné que le RF, j'en ai à l'infini, on peut le dire, à l'infini, je vais pouvoir les alimenter sans aucun souci. Donc on va devoir faire ce craft là. Et pour ça, il va me falloir les printed circuit board. Et les printed circuit board, il n'y a pas de problème pour les faire. Je peux lui demander sans aucun souci. Alors, sauf s'il manque du plastique. Voilà. Ah. Voilà, ça c'est le plastique. Bientôt on n'aura plus besoin de faire ça. Ok. Donc pour le plastique, vous devinez un petit peu qu'est-ce qu'on va faire pour l'automatiser. Il va falloir qu'on... Oh. My god. Il va falloir qu'on insère constamment du liquide plastique dans la machine et qu'on insère constamment ces trois colorants. Ok. Et pour automatiser, c'est simple. On aura plusieurs plastiques mixeurs. Un plastique mixeur qui sera lock sur le noir, un plastique mixeur qui sera lock sur le cyan et un sur le green. Parce que le green, je vais en avoir besoin. Les autres, je ne crois pas que j'en ai besoin. J'en ai pas le souvenir d'en avoir besoin. Voilà, on va faire le petit start. Ok, qu'est-ce qu'il veut pas? Ok, c'est parce qu'il n'avait pas de processing.
pour le faire. Donc voilà, là il est en train de faire le craft gentiment, mais sûrement. Ce qui va se passer, c'est qu'il va mettre le craft ici aussi. Hein. On avait laissé quoi là-dedans? Ah oui, c'est mon Amadron tablette qui est connecté à ce chest. Ok, donc ça il faut le laisser à l'intérieur. Ce qu'il faut qu'on regarde au niveau de notre génération de plastique, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a vraiment beaucoup de plastique. Hein, on a 42 000 buckets, ce qui est pas mal. Et les buckets sont générés ici, grâce au LP. Ce qui manque sur cette machine-là, tu me diras, non, c'est pas que ça lui manque parce qu'il a la température nécessaire, il a le coal. C'est le LP qui va lui manquer. Et pour avoir ce fameux LP, c'est là-dedans que ça se passe, en fait. Il doit process le pétrole qu'il récupère dans la raffinerie pour récupérer le LPG qui est stocké là-dedans et qui est renvoyé là et qui du coup est renvoyé ici pour faire le plastique. Donc ça va pas très très vite ça. On va pas se mentir, ça va pas très très vite parce que le pétrole, eh bien voilà, on a tout ça. On a tout ça de pétrole. Donc ce qui pourrait être intéressant, c'est d'avoir deux setups de raffinerie pour vraiment avoir notre plastique plus rapidement. Malgré que comme je vous l'ai montré, hein, on a... beaucoup de plastique. Et comme ce qu'on va faire, comme on a fait avec les slates, c'est qu'on va mettre des drawers, où justement les drawers vont se remplir. Donc on aura du farm passif de plastique. Et quand on va utiliser ceux des drawers, bah, il va forcément en recrafter. Est-ce qu'il met des choses dedans? Non. Il n'est pas en train de crafter des choses ici non plus. Ah oui, non, il est en train de faire les atomiques. Non, il fait pas les atomiques à l'œil tout de suite. Ah, c'est parce qu'il fait ça, alors il fait une obsidienne. Non, là il fait les capacitors. Les capacitors, je les ai pas encore auto-craftés. Il va falloir que je vérifie quelque chose au niveau des capacitors parce qu'il y a des soucis aussi que j'ai pas réglé au niveau de mes machines qu'il va falloir que je fasse. C'est cette machine là. Je lui ai toujours pas donné ni la hache ni les chairs en unbreakable. Bah, apparemment ça a l'air de le faire là. Apparemment il a pas de soucis. Il était coincé sur autre chose. Probablement sur les capacitors qui mettent un petit peu de temps à se faire. Et Apply qui est toujours très très chiant quand il me change le processing ici. Hein. Ah, et qui me montre ça alors que je veux pas le voir. Un petit peu relou, mais bon, c'est comme ça. Bref, on va les avoir et on va pouvoir en faire un flux capacitor. Et du coup, pour récupérer l'énergie, on va continuer à utiliser l'énergie d'Underio. Enfin, quand je dis récupérer l'énergie d'Underio, c'est qu'on va continuer à utiliser les Dimensional Transceiver. Puisqu'il n'y a que comme ça actuellement qu'on extrait notre énergie de notre boule. Comme je le disais, plus tard, on mettra probablement des quantum en tant que porteur pour vraiment récupérer un maximum d'énergie. Mais pour l'instant, ça fait le taf. On va pas trop se prendre la tête, ça fait le taf. Retournons au niveau de immersive. On va remonter. Ah, il est en train de crafter gentiment là. Et du coup, tous les setups qu'on a installés où il y a du coal qui arrive, on va pouvoir les enlever. On va pouvoir enlever tout ça. Parce que c'est lui là. Lui là qui fait son pchut, pchut, pchut. Là il a arrêté de le faire parce qu'il est en train de crafter. Voilà. Gentiment il craft là. Ah, c'est tellement classe ça. C'est tellement classe. Petit coup de laser, hop, il a terminé et boum. Et ensuite il va crafter le reste dans Applied. S'il a pas déjà terminé, très bien, il a terminé. Donc on va peut-être pouvoir faire ça. Non, il va me falloir des Advanced Pressure Tube. Et pour en avoir, on a deux crafts. Ouais. De base, le craft probable qui était prévu sur le modpack, c'est celui-là. Pressure Chamber Valve pour avoir des avancées de Pressure Tube. Mais on a ce craft-là, donc on va utiliser ce craft-là. Donc, Block of Compressed Iron. Ok. On va te donner ça. Tiens. Donc là, il le récupère. Il craft ça. Ensuite, c'est au laser. Voilà. Et voilà, il m'a fait mes tubes, donc on va pouvoir les récupérer. D'ailleurs, si on regarde bien au niveau du programme, on avait le programme drill et laser. Parce qu'au final, lui, avec le drill, il se transforme comme ça. Alors tu me diras... Oh, c'est peut-être normal alors. Au final. Non, au final, c'est normal qu'il y ait ces deux crafts-là. My bad, j'ai dit des bêtises. Oh là là, j'ai dit des bêtises. En fait... Ce qui est rigolo, c'est que quand on part, quand on regarde ce craft-là, on lui dit un bloc de compressed iron égale 8 advanced pressure tube, mais il faut le programme drill et laser. Alors que lui, il me demande juste le programme laser. Mais pour avoir lui, il faut le programme drill en partant du bloc de compressed iron. Ok, donc au final, c'est deux crafts en un qu'on vient de faire. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors normalement, je ne devrais pas non plus avoir le compressed iron gear. On va voir. Oh, je l'ai auto-crafté, dis donc.
Ça, c'est beau, ça. Et il va me falloir les turbines rotor. Ça, je suis pas sûr de l'avoir auto. Oh, j'ai vraiment tout prévu, hein. Je suis un génie. Un génie incompris. Donc là, il va balancer le matos là-dedans pour faire les crafts. Il n'y a pas de problème. Ça se fait. Oh, c'est beau. C'est beau. On va pouvoir s'en faire un. Oh, qu'est-ce qui me manque? Ah, furnace. Furnace. Next. Oh. Mais vas-y, start. Non, c'est parce qu'il y a des crafts qui sont en train de se faire. C'est pour ça qu'il ne veut pas me le faire. Voilà, start, c'est bon. Et furnace. Flux. Compresseur. Je crois que c'est une quête en plus. Absolument pas. Ok. Ah non, c'est pas une quête. Ok, bah je croyais. My bad. Alors, le flux compresseur, comme je le disais, va prendre du RF pour me faire de la pression. Et en plus, on peut monter très très haut dans les pressions. Ça veut dire que on va devoir upgrade nos tubes. Parce qu'actuellement, nos tubes, on va lui en donner 5. Tiens, ça devrait être suffisant, je pense, pour les tubes. Actuellement, nos tubes sont comme ça. C'est cela. C'est les pressure tubes qui peuvent monter que à 5 bars. Il va falloir, du coup, comme je disais, qu'on change ça, qu'on puisse monter à 20 bars. Et du coup, le fait qu'on puisse monter à 20 bars au lieu de 5, lui va chauffer plus. Et du coup, ça va aller plus vite. Et probablement, d'ailleurs, je suis en train de me dire, peut-être que lui, on n'aura peut-être pas besoin d'en avoir deux, puisqu'on va probablement le chauffer encore plus ici. Justement, testons. Oh. Oh, ce son. Tu sens qu'il y a un problème quand t'entends ce son. Ok. La petite machine, on va la prendre avec nous. Voilà. Évidemment, je vais en crafter un par setup que je veux faire. Alors, ça, par contre, il va falloir qu'on le mette dans l'autre sens. Voilà, très bien. Ça, je vais en crafter à chaque fois que j'en ai besoin. Donc, pour l'instant, on va coller ça au-dessus. Comme ça, il va directement recevoir ça. Voilà, on va lui donner ça et les tubes. Hop, on va prendre ça, tube, boum. Ouh, nice, la quête. Et speed. Plus on va lui mettre de speed, plus il va aller vite. Logique, jusque-là tout va bien, on arrive à se comprendre. Et du coup, speed, c'est quoi le maximum? Il faut qu'on regarde ici. Speed, c'est 10 le max. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, on est au max au niveau du speed, la vache. Ça consomme combien? Maximum usage. 5 000, quasiment 6 000 RF particules, mine de rien, ça consomme, hein. C'est pas rien. Et du coup, lui, il a 19 bars. Donc lui, il est super chaud. Et est-ce que ça va aller plus vite? Ça, c'est la question que je me pose. Est-ce que ça va plus vite dans la génération de LPG? En vrai, ça va quand même un poil plus vite, hein. Ça va quand même un poil plus vite. Tout en sachant qu'à chaque fois qu'on a 100 millibuckets, ça me rajoute ici un bucket, hein. Donc on transforme 100 millibuckets en bucket de plastique. Ce qui n'est pas déconnant. Mais je pense que lui, il est bien, hein. Au niveau des barres, d'ailleurs, j'ai l'impression qu'il est en train de chuter. Ah, vous savez pourquoi? Parce qu'en dessous, ça doit être trop froid. Ça, je vais devoir probablement avoir besoin de plus de blocs. Quoique, non, c'est lui qui chute en termes de barres, hein. Ah, il chute en termes de barres. C'est marrant ça, pourquoi il fait ça? Il descend progressivement. Il a aucune fuite ni rien, hein. Warning. Ah, c'est vrai qu'il faut. Oh, j'avais oublié. Vous voyez cette machine, la température? Elle est chaud bouillante. C'est une machine très chaud bouillante. Donc du coup, il y a une astuce à faire avec ça. Parce que là, au final, si je me mets là. Non, là on le voit pas, mais si je prends du compressed iron block, le bloc va devenir rouge, hein. Voilà, parce que c'est très très chaud. Ok? Donc, il y a une astuce à faire avec ça. C'est plutôt que d'utiliser ça pour chauffer ça, on va utiliser ça. Yep. On va utiliser ça pour chauffer ça et du coup, la pression qu'on va créer là, on va pouvoir l'envoyer probablement là-dedans. D'ailleurs, l'input, il est là. Je peux rediriger les câbles comme j'en ai envie. Et en plus, les câbles, on peut les cacher avec des façades, donc ça posera pas de problème. Mais ouais. On n'entendra plus aussi ces... Ça, c'est comme je le disais, ça va vraiment faire plaisir. Mais ok, j'avais totalement oublié qu'il fallait qu'on refroidisse ça. C'est pour ça qu'il perd, en fin de compte, qu'il perd des barres là-dedans. Ok, très bien.
Je vais récupérer ça. Je vais récupérer ça. Lui, je peux le laisser tel quel, puisque de toute façon, du plastique, on en a plein. Et donc là, ce que je vais devoir faire, c'est faire un autre flux compresseur pour... Alors, pas pour lui, mais peut-être pour eux. Parce que lui, je pense que je vais directement récupérer la pression de l'air qu'on aura générée ici. Je réfléchis encore parce qu'il y a... Il va falloir qu'on fasse ça intelligemment, hein. Mais ouais, je vais mettre ça par-dessus le flux compresseur. Il va recevoir la pression juste ici, donc ça, toute cette partie-là va dégager. Et il me faudra juste un autre flux compresseur pour cette partie-là. Et en plus, je vais pouvoir le mettre en dessous ici. Pareil pour le chauffer, lui, parce qu'il a besoin de chauffer. Et du coup, la pression de l'air, je le mettrai dans le charging station, puisque après, il n'y a plus rien à faire, hein. Ou alors, je redirige encore... Ah, je vais peut-être rediriger la pression ici. Ah, peut-être mieux de la diriger là, la pression. Donc ouais, deux flux compresseurs, un pour cette tour-là, un pour lui... Il y en a un qui va générer de la pression de l'air pour lui et un qui va générer de la pression de l'air pour lui. Impeccable. Eh bien, je vais m'y atteler. Ça me rend zinzin cette histoire. Hein. Ça me rend zinzin. Leaking gaz. Hop, on le prend. Et toi, tu vas juste la fermer. Hein. Oh. Oh. Mes oreilles. Oh. Quel plaisir de plus entendre ça. Mon Dieu, quel plaisir. Alors, on va plus entendre ce bruit. Par contre, on va voir le gaz s'échapper. On peut mettre un string là-dessus. Pouf. Comme ça, on voit pas le gaz s'échapper. C'est plutôt une bonne chose. Et on n'entend plus le bruit. Oh là là, on n'entend plus le bruit. Alors, finalement, ce que j'ai fait, c'est pas forcément ce que j'ai dit. Puisque, de base, j'avais dit que j'allais mettre les compresseurs, ok, les flux compresseurs, juste en dessous de la raffinerie. Le problème... que j'ai eu, c'est que le compresseur, il est ultra chaud et du coup, pour essayer de le refroidir, c'était très compliqué. Donc au final, comment je le refroidis? Je lui donne énormément d'air comprimé dans ce vortex tube, donc il a la chaleur au-dessus, donc là c'est 1500 degrés au-dessus, c'est très très chaud, hein. Et en dessous, on est à 86 degrés, puisque normalement en dessous, on est censé être super froid pour refroidir justement le flux compresseur, mais c'est pas suffisant, donc j'ai dû ajouter énormément de block of compressed iron plus des heat sink pour pouvoir absorber à fond la chaleur. J'ai fait exactement la même chose de l'autre côté, donc c'est pas très esthétique, mais bon, j'ai fait en sorte que ce soit symétrique, comme ça quand on regarde ici ça va, c'est pas trop dégueulasse, même si c'est bon, pas terrible terrible. En gros, on sort la pression de l'air juste là, on l'envoie dans le vortex tube et ensuite le reste de la pression, ah il s'est chaud, on l'envoie dans le pressure chamber, ok. Ensuite, ici, on fait exactement la même chose, sauf que ici, la pression de l'air, on l'envoie également dans le vortex tube qui va refroidir ça, enfin qui va réchauffer ça, pardon. Donc lui, maintenant, il est à 1060 degrés, hein, ce qui est absolument insane. Et le reste de la pression, on l'envoie ici dans l'assembly drill, plus le charging station si jamais j'en ai besoin. Ok ? Donc au moins, on a tout ça d'ici. Maintenant, ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est qu'on cache les tubes. On a moyen de les cacher, donc on va les cacher. On va cacher également les câbles de... appel énergistique. J'ai dû utiliser ces câbles là d'ailleurs, parce que ces câbles là on peut pas les mélanger, et c'est pour les cacher, c'est un petit peu chiant. Donc lui on pourra pas le cacher, mais c'est pas très grave. Et pareil, ces deux porcupines, ce sont les fameux flux compresseurs qui sont alimentés, puisque j'ai utilisé toutes les faces disponibles du flux compresseur pour pouvoir le refroidir, et du coup il restait plus qu'une seule face pour extraire l'air comprimé. Donc, j'ai installé des Ender Porcupine pour pouvoir me connecter à ça. J'aurais pu utiliser les Phantom Face, il est vrai. Mais vu que je les ai pas craftés, et que les Ender Porcupine sont, pour le coup, auto-craftés, bah, j'ai utilisé ça. Ensuite, ce qui se passe, j'ai pas encore fait l'automatisation des plastiques mixeurs, on va le faire ensemble. Donc, j'en ai installé 3, puisque au niveau des plastiques que je vais avoir besoin de ces 3 plastiques. En revanche, le plastique vert, je ne vais pas en avoir besoin d'une tonne, donc je lui ai mis un storage downgrade, parce que le plastique vert va uniquement me servir à faire les empty PCB, c'est tout. Et les empty PCB me servent à faire les unassembled PCB, qui me servent à faire les printed circuit board. Donc en gros, il me faut juste un plastique vert pour faire un printed circuit board, ok. Et derrière, on aura ça à faire, mais ça on verra plus tard. Ça, il m'en faudra beaucoup, mais pareil, on verra bien plus tard. Et c'est surtout que ça va me permettre de crafter les ME contrôleurs. Il n'y a que ça. Hein, je vais me servir que de ça pour les printed circuit board. Donc finalement avoir un stack ici c'est très bien, tout en sachant que les plastiques mixeurs
auront un stack également dans leur buffer. Donc on peut dire qu'on aura deux stacks de buffer. Eux par contre, j'y ai pas touché parce que le noir et le cyan, on va énormément s'en servir. Juste en dessous, j'ai mis un storage bus, donc partitionné pour qu'ils puissent mettre que ces plastiques là avec une grosse priorité. Comme ça, dès que je vais les prendre dans le dans Apply, dès que je vais les remettre, normalement ça va se remettre dans les drawers. Donc là, si je tape plastique et qu'on regarde un petit peu ce qu'on a ici, on a un plastique de chaque. Si je prends tout le plastique vert, plastique noir et plastique cyan, et que je remets tout ça là-dedans, on est à un stack là, on est à 4 ici, on est à 29 là. Donc forcément, le plastique vert, j'en ai un petit peu plus que prévu, mais ça, c'est pas bien grave. Et ces 3 plastiques mixeurs, je vais pouvoir les extraire vers le drawer contrôleur, juste là, pour pouvoir remplir ces 3 drawers. Voilà. Par contre, il faut que chaque plastique mixeur possède du rose red, du cactus green et du lapis lazuli. C'est là justement où on va devoir chercher ça dans Apply Energistic. Donc si on tape green, je vais prendre le green ici. On va lui prendre une crafting card d'ailleurs, je crois que je l'ai crafté. Yes, je l'ai crafté. On va prendre du red. Donc j'en ai quasiment 200 000, j'ai pas besoin d'autocrafter ça. Et puis de toute façon, je crois qu'il est... Non, il est pas autocrafté, mais j'ai pas besoin vu le nombre que j'ai. Et enfin, lapis. Voilà, donc on a les 3 colorants. Nous avons une interface ici, on va s'en servir. Voilà, voilà, et voilà. Ok, maintenant, conduit, d'item évidemment, avec du speed upgrade. On n'oublie pas, j'ai oublié, de mettre la crafting card. Voilà, comme ça il va tout le temps les crafter quand il en aura besoin. On va lui demander d'extraire, et on va dire en blanc. Voilà, comme ça on est sûr qu'on n'a pas d'autre channel quelque part. Et on va lui dire d'insérer ici en blanc. Donc normalement là on devrait avoir full colorant, très bien. Donc là on va faire exactement la même chose. On va insérer en blanc. Donc lui il va recevoir tous les colorants, impeccable. Ça c'est beau, voilà c'est bon. Et enfin lui pareil, en blanc et voilà. Donc là on est bon. Ensuite on configure les plastiques mixeurs pour les 3 plastiques là. Donc on va en avoir besoin d'un noir, donc on va configurer le noir juste là. D'ailleurs, au niveau du plastique ici, ça mettait du temps à revenir à chaque fois parce que je n'avais pas... Oups, ça, c'est ballot. Alors, c'est quel câble qu'il faut que j'enlève? C'est celui-là, l'item conduit. Parce que je n'avais pas mis de speed upgrade au niveau de ce câble-là, chose qui est faite. Donc maintenant, ils vont recevoir leur fluide très rapidement. Lui, on va lock le cyan. Et lui, on va lock le green. Voilà, donc là, on automatise le green, le cyan et le black. Et tout ce qu'on a à faire... C'est ici, lui demander de faire une petite insertion en rouge, pourquoi pas. Et ensuite là, on va lui dire, alors pareil, extraction rouge, pouf, speed, voilà. Là pareil, extraction rouge, pouf, speed, bim, idem, extraction rouge, pouf, pif, bim. Voilà. Donc là, on peut voir à quelle vitesse il me craft mon plastique. Mon plastique est plutôt bien, j'y ai accès dans Applied, donc plastique maintenant, j'ai plus besoin d'aller le chercher. Ça c'est une bonne chose parce que bon c'était, on va pas se mentir, c'était un peu chiant hein. Et au niveau du plastique, voilà à quelle vitesse ça descend. Mais pour le coup, j'ai gardé qu'une seule tour hein. Il est possible que dans l'avenir j'en mette une deuxième. Pour l'instant c'est pas prévu parce que j'ai suffisamment de plastique. Donc je vais pas trop me prendre la tête avec ça. Et puis de toute façon une fois qu'il va avoir rempli ça pardon, il va plus y toucher au plastique avant un moment. Donc il aura le temps de refaire son buffer. Maintenant, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on cache les pressure tubes. Ok. Donc pour ça, il va falloir qu'on regarde pneumatique craft, et qu'on fasse le camoufleur. Voilà, il est là, le camouflage applicator. On va lui demander de le crafter. Il va nous falloir un air canister. Ok, impeccable. Camouflage. Ah, peut-être que j'en avais déjà un air canister du coup. Non. Ok, il l'avait juste pas récupéré. Donc camouflage applicator. On va lui donner un petit peu d'air à l'intérieur, évidemment. Il faut qu'on le remplisse un peu. Hein. On ne peut pas aller plus haut que ça. Puisque au niveau des barres, on n'en voit pas plus que ça. Hein. Au-dessus, il y a marqué 5.9 barres. Donc on ne peut pas aller au-delà de 5.9 barres là. Et on va faire shift-clic droit. Ok, sur la concrete. Ce qui fait que là maintenant, l'applicator a le concrete. On va marquer camouflage applicator de point concrete. Et ensuite, tout ce que j'ai à faire, c'est cliquer. Alors. Out of concrete. Ah, il faut que j'ai le concrete. Je pensais qu'il me faisait les camouflages sans utiliser les blocs. Ma foi. Attends, on clique. Voilà. Et du coup, on va pouvoir cacher tous ces câbles. Et ça va faire beau. Ça va faire sympa. Voilà, on a tous ces câbles-là aussi à
caché. Alors ce câble là je vais pas le cacher, il n'y a pas de raison de le cacher. Par contre ceux là je vais les cacher. Et en dessous c'est pareil, je vais les cacher aussi parce que j'ai pas envie de les voir. Ça fait pas très joli. Pchit, pchit, pchit. Voilà. L'avantage également c'est que quand on tient le camouflage dans la main, c'est qu'on voit où sont cachés les câbles. Donc au final on sera jamais perdu au niveau de nos câbles. Donc ça c'est fait, et du coup les derniers câbles à mettre ce sont les câbles d'appel énergistique. Enfin d'appel énergistique. Ce sont les plaques d'Ender, les câbles d'Enderio, donc j'ai déjà du conduit façade avec moi. Je vais pouvoir les cacher. Voilà, voilà. Pouf, pouf. Ok, on va cacher celui-là aussi. Et on va cacher tout ça. Voilà. C'est quand même beaucoup plus propre comme zone. Donc la zone, mis à part cette partie-là et ça qui a changé, elle n'a pas beaucoup changé finalement. Hein, elle n'a pas beaucoup changé. Ah, et puis évidemment, nous avons ce magnifique sound dampener. Oh, quel plaisir de plus entendre ce bruit de... C'était horrible. Ah, j'ai l'impression qu'ils ont terminé. Ouais, plastique. Donc les buffers sont pleins. Maintenant, on a accès au plastique. Quand on veut, où on veut. Et on peut faire tous nos crafts qu'on a envie. Et ça, c'est le plaisir. Et on vient de dépasser les 9000 plastiques d'Industrial Fogoy en plus. Ça, c'est magnifique. Hop, on va pouvoir ranger ça là-dedans. Et puis voilà. On a bien avancé sur Pneumatic Craft. Et c'est là-dessus qu'on va se laisser, du coup. Comme le message indique en haut. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Bon, faites ce que vous voulez, hein. Abonnez-vous si vous en avez envie. Je veux pas vous forcer. De toute façon, c'est ridicule de forcer qui que ce soit. Vous faites ce que vous voulez. Vous êtes le maître de vos décisions. Mais ce serait bien un petit pouce bleu sur la vidéo. Si ça vous a plu, évidemment. Si ça vous a pas plu, le pouce rouge, il est là. Hein, malgré que vous ne le voyez pas, sauf application. Et puis moi, de toute façon, je les regarde même pas, les pouces rouges. Donc, voilà. Sur ce, merci à tous d'avoir regardé cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous donne rendez-vous au prochain, où on fera... Voilà, je vous laisse terminer la phrase. Allez, je vous laisse tout le monde. Merci d'avoir regardé et à bientôt. Bye bye.